c'est pas terminé, parce qu'on peut faire, comme je disais avant, ici, 73. On va chercher le 73 et terminer. Et si on peut terminer avec 9 victoires consécutives, on va faire ça. C'est intré. Parce qu'il y a une chose très importante. Le mieux chose qu'on peut arriver sur le match de play-off, c'est arriver avec grosse confiance et sur la dynamique de victoire. On a besoin d'entrer sur les derniers 2 matchs avec même pression, même concentration qu'on fait les derniers 7 qui ont été les 7 victoires. Même concentration, même de détermination. Parce qu'il y a une chose sur le foot, on ne peut pas... On ne peut pas penser qu'on fait un petit peu ça et après on fait un petit peu ça. Il n'existe pas ça sur le foot. On a besoin de garder le maximum de tension et tout le match. C'est ça qui a apporté nous à un résultat comme ça maintenant, avec 67 points et nous sommes sur la 3e place. Ce n'est pas évident avoir 11 matchs, 10 victoires, un match nul. Et le plus difficile, ce n'est pas arriver là-haut, c'est rester sur le top. Et ça, c'est la dynamique d'équipe qui veut, en chaque match, plus il veut être mieux, il veut être plus, avec plus efficace. Tout. On veut, comme entraîneur, je veux toujours plus, quelque chose à gagner en chaque match. Je sais une chose, que je gagne sur le fin de match de demain, je gagne le match clairement, après, c'est normal, je dis à vous, je ne suis pas hypocrite. Je vais demander des résultats de Brest. Mais pas avant. Parce que si on ne gagne pas le match, c'est pour rien. Si on reste seulement concentré nous, entrer à fond, le match, gagner le match, faire 70 points, voir ce qui va passer, 8e victoire consécutive, et faire un peu d'histoire, écrire un peu d'histoire. C'est important aussi.